Ludwig van Beethoven. Vous ne mangez pas ? Oh, moi non plus. Nous ne sommes plus du tout en état de veille. Veille, veille. Je ne sais pas pourquoi, mais cette racine m'interpelle. Veille comme merveille. Qui ne me rappelle pas le jour d'avant, mais toujours le jour d'après. Qui dit veille, dit lendemain. Qui dit hier, songe déjà à demain. Ce n'est pas demain la veille. Quelle formidable dépréciation du temps. Du courant irréversible des passions. Ça va, mais ça ne revient pas. Tout est dit. Pas la peine de s'accrocher au vent. Perte de temps, perte de soi, la veille déchante. C'est le lendemain qui chante et enchante. Il n'y a pas que la veille, il y a aussi l'éveil, pour déterminer notre niveau de conscience, de présence, de consistance. Heureux, les éveillés, car ils ne fermeront jamais l'œil. Il y a éveil lorsque ce n'est plus l'âme qui est coffrée dans un corps, mais le corps enfermé dans une âme, si c'est le cas. On peut être assuré que c'est l'esprit qui veille au grain. L'esprit, soit dit en passant, est le vigile le plus vigilant. Quand il perd de vue les choses, c'est la mort dans l'âme. Non, que tous ceux qui ne sont pas suffisamment éveillés ouvrent l'œil. Car ils sont surveillés du coin de l'œil. Ah pourquoi Pépita dans les bois m'épitue, tu m'épices en répit, pourquoi te tapis-tu ? C'est clair ou je répète ? Ah pourquoi Pépita dans les bois m'épitue, tu m'épices en répit, pourquoi te tapis-tu ? Qu'on ne s'y trompe pas. On ne veille pas sur nous, on nous surveille. On ne nous protège pas, on nous épie, on nous espionne. Pas pour nous empêcher de fermer l'œil, mais pour nous empêcher de l'ouvrir. Dormez, dormez, braves gens. On vous surveille du berceau jusqu'à la tombe. Pas les anges de la volupté, mais les démons de la perversité qui sévissent sur tous les réseaux schizo. Twitter, Facebook et Google sont encombrés de démons malveillants qui sont là pour nous offrir au plus offrant. Ah, je n'ai plus envie de dormir. Ah, je me réveille! Non, je ne suis pas un numéro, je suis une femme libre. Et j'ai une petite idée derrière la tête pour cet automne. La révolution des personnes. On se rend tous le 5 novembre, place de la Concorde, et on y brûle nos pièces d'identité pour redevenir.